VCL dessert les Laurentides, la Naudière et une partie de l'Outaouais, 600 000 de population en tout et 40 municipalités. Bienvenue, bienvenue! Entrez! Dans le nouveau Mini-Mels des Laurentides, c'est ça? Huberdeau, ancienne caserne de pompiers, ancien centre communautaire. Puis là, l'automne est repris et on fait le bingo ici, aussi. Alors, comme ça pour les nouvelles, on ferme ça, comme ça, un petit peu comme ça, pour le bingo. Déménager, je pensais que ça allait être plus simple que ça. On est plus comme dans un loft en ce moment. Et ce qui donne une nouvelle ambiance là, qui va être très agréable. On pourra recevoir des gens ici en studio. On est au cœur de la communauté du Berdeau, en plein centre du village, à côté de l'école, l'église. Fait que ça amène un petit côté plus humain. Notre local avant était dans un lieu plus touristique. L'avantage qu'on a de ce local-ci, c'est la hauteur, évidemment, mais le fait qu'on est dans la communauté. Puis ça, je pense, ça va amener de l'implication citoyenne. Tu sais, les jeunes, les aînés, une petite émission sur les aînés, des entrevues, tu sais. Bien, j'ai une mission genre plus personnelle, puis j'ai une mission normale, là, tu sais, d'une télé communautaire qui doit faire des nouvelles locales, permettre à des gens d'évoluer puis d'apprendre dans le domaine de la télévision, de la caméra, de l'éclairage, le son, qui est toujours un défi. Hein? Faire découvrir notre région aux autres régions autour, faire découvrir des personnalités qui ont beaucoup d'influence ou qui travaillent fort dans des OBNL, qui ont besoin de cette visibilité-là. T'sais, on fait des entrevues, exemple, avec l'émission Entrepreneurs en action. On rencontre plein d'entrepreneurs. Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et dans tous les domaines et ils sont un véritable moteur de l'économie. Je viens à la rencontre... On fait des entrevues avec des entrepreneurs locaux, c'est-à-dire des gens, soit des gens qui sont propriétaires de grandes entreprises ou des gens qui sont entrepreneurs indépendants, qui travaillent pour eux-mêmes. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est un peu pour expliquer qu'il y a il y a des milliers d'entrepreneurs au Québec. Puis on pense des fois que c'est pas quelque chose pour nous, mais il y a des gens qui le font, petits et grands, et ça se fait chez nous tous les jours. Lundi ou le mardi, le 4-5. Ça, ce serait mes choix, mes préférences. Ce que j'aimerais faire, c'est d'essayer d'en faire 4 à chaque coup. Mm-hmm. Les responsabilités sont la programmation, la coordination, le recrutement aussi de bénévoles qui ont le goût de faire une émission ou qui ont un projet d'émission. Alors, de rencontrer ces gens-là, essayer de voir si on peut faire quelque chose, les commanditaires aussi. Voici mon nouveau jouet. OK, un vélo de gravelle, ça marche dans la gravelle, hein? We call in the bin. Non, mais c'est parfait, ça. Donc là, elle change. Fait que là, on a le randonneur masqué qui se promène en vélo. Ah, c'est quand même stable, tout, hein? C'est bon. Surprenant, la GoPro était 40%. Ah, c'est complètement fou, j'utilise même plus ma Sony. Hein? Ça parle toujours de plein air, puis... Aussi, je suis menuisier, je fais de la scie mécanique, de la sculpture à scie mécanique. Donc, il y a toutes sortes d'émissions sur la scie mécanique, puis sur ma vie au quotidien, en fait. Si tu veux me connaître, bien, regarde les émissions du randonneur masqué. C'est moi au naturel, en fait. C'est ça, le randonneur masqué. Mais j'ai des bons commentaires de mes suiveurs là, sur YouTube, là, quand même. Et à la télévision communautaire, ça fait plusieurs années que je suis ici. Donc, souvent, je vais arriver, par exemple, à l'épicerie, puis là, « Hey, randonneur! » Tu sais, parce que finalement, les gens écoutent beaucoup Cogeco. J'ai des gens qui m'ont juste vu sur Cogeco. C'est moi qui les annonce. « Bien, tu peux me suivre sur YouTube aussi, tu sais. »
Donc, c'est quand même assez fascinant. Attention, j'envoie du son à Trois-Rivières. J'ai ton tableau, le son est parfait. Ah, ouais, hein? Marché Garnier-Pi, marché Val-Morin. Les temps changent beaucoup. Ça évolue à chaque trimestre. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se tienne au courant de ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. Les abonnés câbles, si on veut, ça n'existera plus bientôt. C'est l'Internet qui remplace ça. Alors, je pense que le défi sera de prendre notre place sur Internet. On a bien débuté avec notre site tvcl.ca qui a beaucoup de succès. Et on peut voir qu'est-ce que les gens aiment le plus, qu'est-ce qui est le plus vu. Et ça, bien, c'est le défi qui va se transformer en mission, tu sais. Le fait d'être disponible avec un lien sur le web, je pense que c'est ça la voie de l'avenir qui fait essentiellement qu'on peut avoir une diffusion qui, d'ailleurs, va dépasser largement le cadre de notre petite communauté. C'est l'Internet qui va nous sauver. L'aventure Survie en forêt, c'était quand même un gros défi. 26 épisodes de 30 minutes en 4 jours, ça prend du monde d'attaque puis passionné pendant le tournage, là, pour qu'on n'échappe à rien puis que ça va bien. Puis on a été chanceux. Là. Au tournage, on a été très, très, très chanceux. Puis après ça, on a monté tout l'automne. Ça a fait 26 épisodes. Dans le dernier épisode de Survie en forêt Laurentide, nous avons assisté au premier souper de groupe de nos aventuriers. Les trois équipes étant munies chacune d'une caméra GoPro, ils nous ont partagé des moments de leur première nuit en forêt sauvage. Nous voilà rendus au petit matin. Retrouvons nos courageux aventuriers Gilbert, Jean-Rémy, Jessica, Justine, Cassandra, Maxime et Simon. Un matin, on est au camp des débrouillards. C'est beaucoup de... Oui, c'est beaucoup de chapeaux. Être directeur général. Dans mes oreilles. Puis il n'y a plus de réverbération. Non. Et voilà. Ah, hey, bravo. Ah! C'était ça. Puis regarde, je vais remettre les potes juste pour voir. Ah, ben oui. Et voilà. Écoute, ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai un background de caméraman, photographe, monteur vidéo. J'ai travaillé à TQS dans le temps. Quand je suis revenu ici à Tremblant, ben j'ai tout simplement arrêté. J'ai cogné à la porte. Dean m'a répondu. Puis, il était comme tout surpris. Je disais, hey, avez-vous besoin de quelqu'un? Il était à quoi? Il dit, c'est en plein ça que je m'en allais faire, passer une annonce pour demander un caméraman monteur. Ben, c'est ça que je fais. Moi, je pourrais peut-être participer à quelque chose. Ça s'est fait comme un genre de synchronicité assez incroyable. Ça a parti de là, puis je participe encore au bingo, une couple d'émissions, les nouvelles. Couple de jours par semaine. Là, c'est super agréable. Alors, ça a été difficile de recruter, mais tranquillement, pas vite, les gens ont entendu parler de notre télé communautaire. Puis, il y a des gens qui se sont proposés. Tu sais, j'ai même Annie qui anime le bingo maintenant, qui est venue cogner à la porte chez nous, là, puis qui a dit « Hey, si tu veux, là, je peux venir animer le bingo. » J'ai cogné directement à sa porte, toc, toc, un lundi après-midi. Puis j'ai dit « Dean, je m'en viens t'offrir mon aide. » Puis là, il m'a regardé, il a fait « t'es sérieux? » J'ai dit « Ben oui. » Fait que ça a commencé comme ça au mois de décembre l'année passée. Puis là, ben j'ai continué toute la saison.
On a eu, mon Dieu, 250 membres de plus sur le groupe Facebook. Les gens étaient contents. On avait du plaisir. Puis là, bien, j'ai recommencé. Là, on vient de recommencer. On a 2 semaines de fête, là. 6, 6, 8, 7. Je suis en train de noter le numéro de téléphone pour donner aux gens pour appeler. Ah oui, hein? Oui, j'aime beaucoup tes couleurs. Moi, c'est toujours un plaisir. J'ai eu la piqûre un jour de la caméra, puis écoute, ça fait plus que 20 ans que j'ai pris ma retraite. Puis ici, ça fait 10 ans là, que je fais ça bénévole, puis j'aime ça beaucoup, beaucoup. C'est agréable, c'est un travail d'équipe, là. On a du fun ensemble. Dans 5, 4, 3, 2... Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre soirée de bingo hebdomadaire en ce beau mercredi pluvieux. Donc, nous avons la B4. La B4. Continuez à nous envoyer des photos. C'est plaisant. Envoyez-nous vos porte-bonheur. Ça fait 5 ans que je suis ici. Là. Je suis tellement bien ici que tout le monde est tellement agréable. Puis ça me donne l'occasion aussi d'essayer des affaires, voir des affaires, accomplir des défis là, que je pensais pas être capable nécessairement de faire. Là, ça fait appel à toute ta débrouillardise. Ça fait appel à tous tes talents. Ça fait appel aux autres autour de toi aussi de donner leur maximum. Mais il faut que ça soit agréable. Faut pas que t'es pousses, tu sais, à un point que t'es père, là, tu sais. Fait que c'est tout dans la fraternité, dans le plaisir. Moi, je leur dis toujours, faut avoir du fun. Salut la gang à la maison, je vous salue. Bonne saison de bingo, bonne chance à vous. 1 500 $ à gagner à chaque semaine. Tu viens nous voir aussi? Oui. Hein? En studio ici, on a environ 25 places pour recevoir les gens. Venez-vous-en avec nous.